Madame Marguerite va vous écrire un petit mot pour en être sûre. Le cul. Tout le monde peut lire. Le cul. Non, parce que sur le tableau, il n'est pas question d'apprendre la lecture, l'histoire et les mathématiques. Sans compter la géographie, par exemple. Ça, c'est un cabot. El Cabo de la Esperanza. Le cap de Bonne Espérance. Eh bien, c'est de la géographie. Voilà. Alors maintenant, à quoi sert Madame Marguerite? À qui? Parce que vous... On ne vous a pas demandé votre avis à vous. Vous êtes là. Ce sont vos parents qui ont fait le coup. Est-ce qu'il y en a un qui est venu tout seul? Bon, et pourquoi? Il doit y avoir une explication. Et Madame Marguerite va vous la donner tout de suite. Alors en fait, ce spectacle a été écrit en 75 par Roberto Ataïde, qui a voulu parler de la dictature dans son pays. Et pour ne pas se faire censurer, il avait un transfert sur une prof. Voilà, ce spectacle a été traduit en 32 langues différentes. Donc je pense que je ne suis pas la seule à avoir un petit souci avec la dictature. Donc voilà, moi j'aime bien dire les choses, dénoncer des choses, mais avec de l'humour. Donc je m'éclate dans ce rôle, dans ce personnage. Voilà, donc le spectacle s'appelle Madame Marguerite. Donc là, on est un peu en transition. Donc les scènes que vous avez vues, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Puisque avant, on avait une Madame Marguerite qui pétait un peu les plombs. Et là, on est en train de se dire qu'au final, les dictateurs, ils sont quand même très souriants aujourd'hui et ils pètent pas les plombs donc ça. Donc du coup, on va l'adoucir un peu, Madame Marguerite. Il y aura des objets, des accessoires. En fait, oui, ils ont utilisé le prof justement pour dénoncer la dictature vraiment du pays. C'est-à-dire qu'il avait un transfert sur une prof, mais l'idée, c'est pas forcément de parler de l'école. Et en même temps, le prof a le même pouvoir qu'un dictateur. Dans l'idée, effectivement, on est dans une classe, on est enfermé. Et on doit écouter le prof, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Sauf que lui, du coup, il a joué là-dessus, sur les deux bouts. L'idée, c'est pas du tout de dénoncer l'école. C'était pas ça le propos. Oui, bah c'est ça, moi j'aime bien dénoncer les choses avec de l'humour et... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime créer. On avait joué Ubu Roy et moi avec Jean-Laurent Faubourg et David Hirudel, qui parlaient aussi des abus de pouvoir. C'était une pièce moitié en français par le texte de Alfred Jarry, moitié en créole. Et c'est pareil, c'était aussi une comédie. Oui, du coup, dans l'aménagement, dans ce que va devenir Madame Marguerite, il y aura de plus en plus de mots créoles aussi. Effectivement, il va y avoir des passages en créole et des passages en français. Il y a des moments où elle va mailler entre les deux. Et parce que pour nous, c'est important de remettre Madame Marguerite ici, quoi. Roberto Ataïde, l'auteur. Et les passages en créole, c'est Christophe Langrome qui va les traduire. Donc on a été soutenus par la région, le département et la ville de Saint-Paul. Ben, merci d'être venu, merci à Guétali. Donc un projet de la région qui finance des spectacles dans les quartiers.